Salut à tous, me revoici enfin, cette fois je suis sur Macro Boy Y, donc, un jeu qui est très loin de sortir vu qu'il est... En fait j'ai découvert la Japan Expo début juillet 2014 et j'avais discuté avec les développeurs, apparemment ça faisait une semaine et demie, peut-être deux semaines qu'ils travaillaient dessus à peu près. Donc depuis ce moment-là, j'ai voulu faire un épisode dessus pour vous en parler parce que j'ai vraiment apprécié de jouer avec eux et avec des inconnus comme ça à la Japan Expo. Voilà. C'est un jeu de plateforme, à peu près tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un jeu indé forcément, du coup, c'est des Parisiens qui le créent. Là aussi, je suis... mi-août on va dire, et du coup ça fait un mois et demi que je veux vous en parler, mais j'étais en train de récupérer d'essayer de me fabriquer mon propre PC, et puis j'ai déjà enregistré une vidéo il y a genre deux semaines à peu près, sauf que j'avais pas encore d'écran, donc je voyais pas bien les bords, donc je voyais pas la barre de vie par exemple, et la carte son, j'avais pas mis le driver à jour et du coup il y avait un énorme bruit dans le micro. Donc voilà, c'est à peu près tout on va dire pour le reste. Petite dernière info quand même très utile, ils font une campagne Ulule qui est l'équivalent de Kickstarter. Donc si vous voulez les aider, les soutenir à faire ce jeu, n'hésitez pas à aller sur leur campagne Ulule, je mettrai le lien dans la description et à les soutenir. Donc on commence, soit on peut faire du solo, soit du multi. Les configurations pour le moment, je vais vous montrer vite fait. Donc c'est avec F1 à F4. F3, F4 c'est pour changer le son. Donc là je le coupe. Là je le mets à 1 et il va très fort. Donc je vais peut-être pas vous casser les oreilles avec. F2 pour les touches. Donc les touches, là je vais jouer avec la manette de Xbox 360. Parce que c'est la seule manette que j'ai vu que c'est la plus compatible avec les jeux indés. Donc j'ai réglé les touches à ma manière, un petit peu à la manière de speedrunner. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo mise en ligne par le développeur qui en parle. Il y en a une en français et une en anglais. Parce que ça, il vous expliquera ça mieux que moi. Et voilà. Donc, il y a player 1, 2, 3 et ça va jusqu'à 8 joueurs. Donc si vous avez 8 ports USB ou des hubs pour atteindre 8 joueurs, ça peut être très très sympa en soirée. Pour l'écran, donc là j'ai mis 1080p en full screen. Enfin, voilà. Donc oui, c'est ma deuxième vidéo je crois en 1080p. La première était un petit peu à la Walligan, on va dire, j'avais enregistré sur ma télé tout ça pour avoir pour pouvoir avoir des dimensions à peu près correctes pour c'était Stonehearth. Donc maintenant j'ai vraiment un écran 1080p et normalement toutes mes prochaines vidéos devraient être en 1080p. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais un nouveau PC et que j'attendais, et aussi parce que mon vieux PC portable surchauffait régulièrement rien qu'avec un jeu ou n'importe quel jeu et la chaleur ambiante en été. Donc voilà, je vais commencer le mode le mode un joueur. Donc là c'est l'alpha 0.17. Ça s'appelle pas alpha mais c'est la version 0.17 si vous préférez. En 2 mois 17 versions c'est pas mal. Alors on peut charger son tir. Voilà, on va exploser les petites tourelles. Non, pourquoi j'ai tourné? Voilà. Donc il y a la barre de vie à gauche, j'ai 3 vies aussi. Petit bug que je vous montre, là. Donc je charge et je peux directement tirer à travers le mur. Donc en fait, je crois que si le missile apparaît dans le mur, c'est comme s'il apparaissait derrière. Voilà. Donc il y a 3 modes de tir. Donc là c'est le tir très chargé, le petit tir, le tir moyen qui repousse un petit peu les ennemis quand c'est des joueurs humains,
et le tir très chargé que vous m'avez vu beaucoup utiliser, celui-ci, qui permet d'exploser littéralement les ennemis. Donc là, ce qui est marrant, c'est que en fait, il n'y a que le niveau tout en bas qui m'embête, le niveau intermédiaire, les missiles me passent juste au-dessus. Et par contre, moi, mes tirs le touchent, donc je peux le laisser tranquillement. Voilà. Là, je vais vous montrer donc le bug comme ça, là, avec le missile qui passe dans le mur. Donc, vous avez vu le tir de loin, ça fait les deux blocs. Et là, le gros tir, il apparaît au quatrième bloc après. Donc, en fait, il apparaît bien plus loin, le tir. Et du coup, ça permet de... Oula, merde. Bah, ça permet de profiter de tirer à travers le mur, mais c'est un bug, c'est le développeur qui m'en a parlé, il a dit que c'était un bug. Si vous voulez en profiter, il faut jouer à la version démo actuelle, enfin la version alpha. D'ailleurs, nouvelle importante, la version alpha 17 en l'occurrence, même les précédents si vous voulez, normalement les suivantes aussi, elles sont gratuites. Donc ça c'était un boss. Je vais regarder quelques vidéos. Ah non. Les boss, d'après les vidéos que j'avais vues, il faut les esquiver. Faut pas. Enfin, il y a un moyen de les faire tuer sans galérer. Et ça vient de me faire penser, il faut que j'enlève les notifications de Skype. Je verrai ça après la vidéo. Alors, parce que du coup le jeu ne doit pas être en vrai plein écran, mais plutôt en fenêtre sans bord. C'est un mode que j'apprécie d'ailleurs, mais qui ne permet pas de bloquer les notifications de Skype et autant. Ça permet de faire des alt tab très rapides, c'est très pratique. Bref, je m'égare. Donc là, je viens de passer le premier stage. J'avais déjà fait mes deux premiers stages. D'ailleurs, petit bug, je n'appuie plus sur le tir et j'ai quand même l'animation du tir. Dès que je tire, j'ai plus aucune. Enfin, du tir chargé, je voulais dire. Dès que je tire, je n'ai plus aucun. Enfin, j'ai pas le tir chargé, j'ai le petit tir. Donc, en passant d'un stage à l'autre, il n'y a pas ça qui m'est joué. D'ailleurs, là aussi, il y a des escaliers à la descente. Je vais tirer. À la descente, en fait, on peut s'apercevoir qu'on est plus ou moins sur des demi-blocs ou sur les blocs. Et ça a beau être une diagonale, la diagonale elle est que graphique. Je peux pas avancer. Je pense que le bloc il n'est pas encore créé en code. Là, on peut pas passer. On peut monter. Ah, je vous ai pas dit, on peut tirer vers le haut. Je monte un petit peu vers le bas. Donc ça peut être très pratique en joueur contre joueur. Je vous montrerai après le multijoueur. D'ailleurs, je préfère le multijoueur que le mode solo. Pour moi, en tout cas dans l'état actuel du jeu. Après, ça peut changer. Mais dans l'état actuel du jeu, le mode un joueur, c'est une torture entre guillemets. C'est vraiment un niveau très compliqué. Voilà, c'est vraiment très compliqué et au final, c'est surtout la partie plateforme que je trouve compliquée, les monstres. Notre barre de vie, elle est suffisamment grande. Voilà, et c'est vraiment essayer de pas tomber, tout ça. Peut-être que les commandes sont mal ajustées. Hein. C'est possible aussi, mais enfin ajustées. Enfin, la sensibilité est mauvaise peut-être. Est-ce que là je peux passer par-dessus? Oh oui, je pouvais passer par-dessus. Ça peut couper énormément en fait. Voilà. Voilà, petit raccourci improvisé. Je sais pas s'ils sont au courant. Hein. De toute façon, ils vont voir ma vidéo normalement. Je vais leur envoyer le lien sur Facebook. D'ailleurs, ils sont très réactifs. Enfin, le développeur est très réactif
parce que j'ai parlé soit au groupe, soit directement aux développeurs sur Facebook, ils sont très très réactifs. Je leur avais parlé que ma manette n'était pas reconnue dans l'alpha, dans la version 16, V016, et direct, il m'a répondu, je sais pas, dans les quelques heures qui suivent, que théoriquement, il n'avait pas touché à la manette. Et après, juste avant d'annoncer officiellement la version 17, il m'a dit la version 17 est sortie, j'annoncerai officiellement plus tard. Et si tu veux y jouer, faire ta vidéo. Après, moi j'ai mis du temps parce que de mon côté il y avait le micro qui foirait. Et non, hop, c'est comme ça, je crois. On va voir par où passer. Donc j'étais pas allé si loin la première fois, en fait. J'avais directement joué en enregistrant la vidéo, j'avais pas testé le jeu d'avancer plus que ça. Et au final, j'ai pas réussi à aller jusqu'ici. Voilà, pour le moment, maintenant c'est de la découverte de par où il faut passer. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Tout à l'heure, le rouge me bloquait, mais je vais peut-être atterrir sur la plateforme avant. Voilà, les pics, je sais plus dans la version actuelle, il en avait parlé, je crois. Mais à la Japan Expo, les pics ne tuaient pas instantanément. Ah, un petit bonus de vie, voilà, ça régène, ça fait toujours du bien. Là, les blocs de glace, on peut pas glisser pour monter à l'infini. Donc je disais, les pics dans la version de la Japan Expo ne tuaient pas instantanément, mais enlevaient un certain nombre de PV à chaque image. Ce qui... c'était beaucoup, enfin ça faisait beaucoup de PV, je crois, genre un PV par image, un truc comme ça. Mais vu que ben il y a 60 images par seconde, si on se réfère à la vitesse de l'écran, après suivant la vitesse des processeurs et des cartes graphiques, ben, ça peut aller encore plus vite. Donc voilà, c'était très aléatoire, en fait, d'un ordi à l'autre. Je pense que là ils ont... enfin, je leur en avais parlé, je leur avais dit ouais, mais en multi online, parce qu'ils veulent faire un multi online, si vous faites ça, bah, y a un gars qui va avoir un ordi très puissant qui va perdre toute sa vie très vite, alors que le gars qui a un ordi de merde, entre guillemets, il va perdre... ouais, il va avoir perdu 3 PV en restant 3 secondes dans les piliers. Et au final, ben, c'est pas très juste, quoi. Et ils m'ont dit, ouais, ça sera géré par le serveur, ne t'en fais pas, mais c'est mieux de l'avoir remarqué. Parce que, non, les tirs des missiles ne passent pas à travers les blocs, donc... voilà, maintenant je suis à peu près tranquille. Est-ce que je peux le tirer à travers lui? Voilà, parfait. Est-ce que ça va tirer à travers les suivants? Si oui, c'est gagné. C'est vraiment très tranquille, en fait, ce passage, du coup, grâce au petit bug que... en fait, ouais, c'est vraiment le développeur qui m'en a parlé. Je l'aurais peut-être remarqué, mais là, j'ai pas eu à le remarquer. Donc on avance tranquillement, on va tout détruire en mode tranquille. Il y a 3 petits bonus là-haut, 2 de vie et 1 de bouclier, vu que j'ai fermé la vie en donnant quelques explications. Je suis pas sûr que ce soit très utile que j'y aille, mais je pense que le niveau est un petit peu labyrinthique. Je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est moche, enfin, c'est très gris, tout ça. Il y a pas mal de couleurs en plus par rapport à la Japan Expo. Donc ouais, si je passe par en haut, c'est juste pour récupérer les bonus, et récupérer 3 points de vie et un bouclier, ça m'intéresse pas. Ça aurait été intéressant si j'avais galéré, mais là, vu que j'ai pas galéré, pareil, ici, à quoi ça sert de se jeter dans les gueules du loup si on peut le tuer à travers? Donc voilà. Ouh, ça pique un petit peu les yeux. Non, j'avais pas vu la pique. Ça pique un petit peu les yeux d'aller vite. Heureusement, il y a un checkpoint. Après, d'ailleurs, j'avais déjà utilisé un qui était juste avant le boss tout à l'heure. Après, les checkpoints, ils sont... de ce que j'ai vu, ils sont peut-être pas très très réguliers.
Là, je sais pas, hein, j'ai pas vraiment testé à fond, mais j'étais mort la dernière fois avant d'arriver sur ce bloc-là, et j'avais pas eu de checkpoint. Donc, si ça se trouve, c'est le premier checkpoint du niveau qui, du coup, c'est assez long. Après, à voir si vous aimez justement avoir peu de checkpoints et être en mode hardcore. Enfin, de toute façon, c'est le mode solo, je vous ai dit, pour le moment en tout cas c'est moins intéressant, mais il a quand même son charme, ça permet de voir ce qu'on peut faire avec le jeu. Et bah, pour un jeu qui a un mois et demi, deux mois on va dire, c'est quand même très respectable. Je vais vous montrer le mode multijoueur, par contre j'ai personne pour tester le mode multijoueur avec moi pour vous montrer. C'est un peu dommage. Vous ne pourrez pas avoir une vraie partie multijoueur à deux. Pour ça je vous conseille de regarder les vidéos du développeur. Hein. Il a fait quelques parties qu'il a mis en ligne. Il a fait quelques jolis montages où on voit que n'importe quelle manette ça marche. On n'est pas obligé d'avoir une manette de Xbox 360 comme j'ai pris. Ils ont même des... Oh non! Ils ont des manettes de NES, de Super NES, enfin je m'y connais pas trop. Ça commence à dater, j'avais pas ces consoles. Je sais pas s'il y a une différence. Mais ils ont des manettes donc, de cette époque-là. À la Japan Expo, j'avais... Oh là là, j'avais testé des très vieilles manettes aussi. Enfin pas des vieilles manettes, mais des pas chères. Et elles fonctionnaient très bien. Il n'y avait pas de joystick, c'était du tout ou rien quoi, c'était pas analogique, mais pour le jeu ça avait pas l'air de gêner grand chose. Donc bon, je vais pas vous laisser souffrir le plus longtemps sur le mode un joueur, on va regarder le multijoueur, seulement regarder, on va pas pouvoir faire partie. Donc par exemple sur cette carte, la première qui est proposée, on a pas mal d'options, on peut jouer jusqu'à 8, je vous l'avais dit. Voilà, je vais mettre juste 2. Du coup, là, ça propose que 2 équipes, mais si on est à 8, théoriquement, ça propose 8 équipes, donc chacun pour soi. Voilà. Alors, Friendly Fire, voilà, Tirami. Et là, le type de match. Donc, soit du deathmatch sur toute la carte, donc chacun. Ouais, chacun est libre à sa petite caméra, son quart d'écran quand on est à 4, son demi-écran à 2. Voilà, le principe à 3, ben, c'est pas un tiers, c'est un quart chacun et avec un écran brisé. C'est pas comme dans Mario Kart où il y a une petite caméra qui suit les belles actions de tout le monde en même temps. Dans Mario Kart, c'est de la 3D, donc ils peuvent mettre une caméra un peu en mode à la Wall Again. Peut-être que dans le petit carré en plus, ils pourraient mettre la carte visible par tout le monde. Je sais pas, c'est une idée comme une autre. Voilà, donc pour le deathmatch, le mode arena, tout le monde a la même. Ouais, tout le monde a la même carte, donc ça prend un écran. Si on essaie d'aller trop à gauche, ben, ça va essayer de tirer un petit peu l'autre joueur qui était tout à droite à gauche, mais on va pas vraiment pouvoir le tirer quoi. Ça va s'étirer, je sais pas si vous avez vu Speedrunners. Mais c'est un peu le même principe, on peut pas sortir l'écran. Speedrunner, si on sort quelqu'un de l'écran, il meurt, là, on peut pas. L'écran se bloque, on peut pas courir trop loin. Voilà, donc on a le même écran et on se tape dessus. Je crois que c'est le mode qui était le plus marrant sur des petites cartes, donc, pas celle-là. Mais sur des petites cartes, c'était le mode le plus marrant que j'avais trouvé. Les autres modes... Enfin, le mode deathmatch était sympa aussi, mais je pense que pour bien s'amuser dans le mode deathmatch, il faut connaître la carte. Et le mode Easter Eggs, anciennement nommé Pac-Man, où en fait il faut récupérer des petits blocs qui sont un peu disséminés partout. Et ben, il n'y a pas besoin de tuer les autres, on peut les tuer, mais voilà. Après je sais plus si c'est celui qui a réussi à en avoir le plus ou le dernier qui a réussi à en récupérer un, je pense que c'est celui qu'on a récupéré le plus qui gagne.
Donc voilà, bah, je vais mettre en mode deathmatch sur cette carte pour commencer. Et voilà. Donc il y a pas mal de cartes, je vous montrerai après. Voilà. Et la carte n'est pas totalement symétrique, celle-ci du moins. Voilà, alors je vous la remontre. On se repère comme ça, avant il y avait une. En fait, quand j'ai commencé, quand j'ai vu le jeu, il n'y avait pas de cartes, pas de mini-cartes. Beaucoup de gens à la Japan ont dit, ça serait cool une mini-carte et tout. Donc il y avait une petite carte qui était au milieu de l'écran, qui faisait un pixel, un bloc, un truc comme ça, c'était minuscule. Et on voyait pas grand chose, mais au final, ben, il y avait une mini-carte. Si jamais on n'arrivait pas à se trouver, ben, on pouvait s'arrêter deux secondes, regarder la mini-carte, sauter un petit coup pour voir quel pixel blanc bougeait, pour se différencier du décor. Limite chacun notre tour, ou l'autre il pouvait essayer de nous repérer comme ça et après d'y aller lui. Donc cette carte théoriquement il n'y a pas trop de problème pour se repérer, malgré que ce soit tout gris, parce qu'elle n'est pas symétrique. D'autres cartes sont plus symétriques ou moins, ou c'est moins visible en tout cas. Donc là, comme vous l'avez vu, je suis au croisement des deux lignes, c'est la nouvelle carte. C'est du coup beaucoup plus visible en une demi-seconde, on peut regarder. Après elle prend tout l'écran et du coup c'est compliqué de jouer derrière. Ce serait bien qu'elle soit peut-être un peu plus en transparence, vu que j'ai pas besoin de maintenir le bouton pour la regarder. Donc là, normalement il est sur la même ligne, si je tire, voilà, le tir arrive chez lui. Donc là, je charge un petit peu, et là c'était pour tir. Vous voyez qu'il recule, il y a sa barre de vie qui descend. Si je charge un petit peu, bah le moyen tir en fait il recule le gars énormément et sa barre de vie descend moins qu'avec le petit coup. Un truc que j'aime pas trop, c'est compliqué d'aller dans ce genre d'endroit de bloc. Là, toujours faire gaffe, ne jamais tomber tout droit, ce genre de choses. Ah tiens, un truc de vie dans les pics. Bah, pareil, un bouclier dans les pics. Donc les bonus à ne pas prendre, essayer de récupérer au vol si possible, mais voilà. En fait c'est plus rapide de faire ça. D'ailleurs je vous ai pas montré, voilà. Déjà si on descend avec ou sans se frotter au mur, ben on descend à pas la même vitesse. C'était ça dès le début. Je vous ai pas montré mais on peut glisser comme ça pour aller plus vite. J'ai un peu de mal à le faire, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré. Et voilà. Bref, j'ai du mal avec. Je sais pas si c'est moi qui ai mis des mauvaises touches pour ça, vu que j'ai mis le bouton du haut, alors que le saut c'est le bouton du bas. Et le tir, le bouton à gauche. Ça c'est mes touches, c'est avec ça que je joue pour le moment en tout cas. Ça peut changer si leurs touches sont meilleures. Il n'y a aucune raison que je ne change pas. Donc là bah, j'ai fait un petit tour de la carte, vous avez pu voir à quoi elle ressemblait. Bah, les blocs verts par exemple là qu'on voit, avant ils n'y étaient pas. À un moment dans les alphas j'avais vu des blocs marrons qui faisaient le même principe, mais il me semble que quand j'avais testé le jeu, il n'y avait pas. Je vous ai dit, on peut pousser les gens. Si je le pousse un petit peu, il tombe dans les pics et il ne meurt pas. C'est marrant ça. Soit il est tombé pile sur le bloc qui le tue pas, soit quand on est sur les pics et qu'on ne bouge pas, on ne meurt pas. Ah, quand même. Voilà. Donc un joueur, forcément, c'est moins marrant. Donc voilà, donc, première carte The Pit, après The Arena, une carte très simple, mais c'était vraiment celle-là, je pense que j'ai eu le plus de plaisir à jouer avec des gens. Après, c'était peut-être parce que c'était ces personnes-là, tout ça. The Fall, bah, une carte justement où c'est difficile de se repérer, elle est assez symétrique, il n'y a pas trop de sol, donc en fait, il n'y a que des murs de 1 de large, et faut se mettre sur le bord pour. Pas tomber. Si on va tout en bas, ben il y a des pics, donc on meurt, etc. Warzone, celle-là, je pense que
pense que si on la connaît et avec un peu plus de couleurs, ça devrait être facile de s'y repérer. Elle a l'air assez grande et très diversifiée. Et pas symétrique, celle-ci totalement symétrique. Il faut juste repérer si on est en haut ou en bas. Paint. Circular logique, pareil, symétrique. Enfin, je vous les montre rapidement, donc j'ai pas dit, mais le... vous avez peut-être remarqué, le blanc c'est les murs normaux, le rouge les pics, et le bleu c'est le... la glace qui empêche de remonter. Ce qualitique assez énorme, en taille je veux dire. Non, c'était pas celle-là. C'est celle-là qui est assez grande en taille pour deux joueurs. En fait, on a du mal à se retrouver pour se taper. Au final, les cartes comme ça, c'était un peu dommage, mais on se retrouve souvent à la ligne tout en bas et on se tire dessus à monter sur les murs. C'est pour ça que je vous avais dit que l'arena est pas mal. Du coup, on a forcément, c'est forcément un mode arène. On est forcément sur la même ligne. Voilà. Donc j'en étais là. Non. Ici, la forteresse, pareil, enfin, il y a beaucoup de cartes que j'ai pas essayé vu qu'elles étaient pas, il n'y avait pas beaucoup à la Japan, ou en tout cas j'en ai pas eu l'occasion d'en tester beaucoup. Et bah, j'ai pas vraiment l'occasion de jouer à plusieurs. Donc là, une autre carte multijoueur en mode arena, toute petite, qui est assez intéressante. En fait, vous voyez les pics en bas, et au-dessus, une sorte de plateforme, une plateforme en fait. Et entre les pics et la plateforme, il y a des diagonales qui partent de blocs. Est-ce que la souris... Non, je ne peux pas vous montrer la souris. Donc il y a des diagonales qui partent en blocs, et juste au-dessus, il y a les diagonales qui remontent jusqu'à la plateforme, mais en blocs verts, donc les blocs qui sont destructibles au premier tir. Du coup, au début, il n'y a pas de risque de tomber dans les pics, mais dès qu'on tire dessus, et ben, il faut commencer à faire attention. Gravity, c'est un peu comme The Fall, faut faire gaffe à la hauteur. Enfin, faut faire gaffe à pas tomber. Hightower, j'ai pas testé, elle a l'air immense comme carte en fait. Vraiment. Et elle a l'air très intéressante aussi à jouer. Mais bon, j'ai pas l'occasion. Highway, tiens, il me semblait pas l'avoir vue celle-là. Ça a l'air tout plat, tiens. Ah si, c'est peut-être la carte que j'ai faite... Ouais, ça ressemble beaucoup à la carte que j'ai faite au premier niveau du un joueur. Avec des blocs et esquiver, et puis là où il y a le trou, c'est là où j'ai fait tomber le boss. Donc c'est peut-être pas exactement celle-là, mais ça ressemble beaucoup dans tous les cas. Et du coup, celle-ci, The Factory, bah, c'est la carte du niveau 2. Voilà, donc j'avais fait toute la partie gauche. J'avais vu le gros bloc de glace en haut à droite, là, ça ressemble à un laser vu ici. Avec le bonus qui est caché à cet endroit-là. Le petit trou avec les trois bonus à droite, du petit trou ouais, où on descend, ouais, c'est ça. Bah, j'avais fait un peu plus de la moitié, quoi. Peut-être deux tiers, allez, en étant gentil avec moi. Secret Base, bah c'est peut-être le niveau 3 ou... Ouais, ça ressemble à un niveau solo plutôt qu'à un niveau multijoueur. Ah oui, bah oui, c'est marqué, j'avais pas vu à droite, c'est marqué single player. Donc voilà, on peut s'entraîner en mode multijoueur sur les cartes single player. Mais comment ça marche? Headquarters. Donc le QG. Ça pique. Et on revient à The Pit. On va peut-être pas se spoiler le dernier niveau, mais du coup je suis assez intrigué pour savoir si... Parce que là j'ai quand même sélectionné deux joueurs. Là. Et il y a un ou deux joueurs qui sont sélectionnables, d'accord. En deux équipes forcément. D'ailleurs un joueur en deux équipes, c'est marrant. Un joueur une équipe, c'est mieux. Donc je vais voir le single joueur. On peut pas être dans la même équipe, non. Le single joueur, la carte suivante que je n'ai pas encore atteint. Donc ça me spoil un petit peu le mode histoire, entre guillemets. Un. Ouais, mais pourquoi lui il apparaît dans les blocs? Il est où? Ah, la map elle marche pas.
c'est la carte d'un joueur, du coup ils ont dû désactiver le, la carte. Regardez. Essayer d'avancer plus, mais c'est pour tomber entre deux blocs, c'est pas le cas. Et merde, un peu comme ça. Et merde, voilà. Ça, je suis retombé tout en bas. Et là, c'est comme si on retombait tout en bas, ou presque. Ouais, c'est comme si on retombait tout en bas en vrai. Où il faut s'entraîner. Je vais essayer d'aller mourir peut-être. Peut-être que ça débloquera le joueur 2. Ou alors ça le fera gagner. On verra. Là par exemple, ce serait bien de pouvoir monter hein, sans avoir à sauter. Quoi. Allez, tire. Voilà. Allez, vu que l'écran est partagé, du coup, je vois pas les. Pas si j'ai réussi à battre le truc juste en comptant des tirs. Ah, il veut pas mourir. Peut-être que les tirs ne sont pas. Si. Je me disais peut-être que les tirs ne sont pas valides jusque. Comment on peut passer là? Oula. Pas de pêche, je suis pas dans le tour. Bref, est-ce qu'il y a un moyen de mourir maintenant que j'ai buté le, les deux seuls tirs? Non, apparemment non. Ok, bah du coup, j'aurais bien aimé vous montrer les arènes avant d'arrêter le jeu. Donc, start, ça fait rien, j'échappe. Voilà, donc je reviens en multijoueur, le mode la carte Arena, juste pour vous montrer une carte que bah, du coup j'apprécie, qui est vide et pourtant on s'amuse vraiment beaucoup dessus. Maintenant il y a des bonus, avant il n'y avait pas, forcément ça change, mais avant c'était aussi un seul bloc gris tout autour. Donc voilà, bouclier, tout ça, et la plupart du temps les gens. Ils font rarement la course en bas, sur, du coup sur cette carte, mais on monte comme ça. Et si on est 4, bah, y en a forcément plus ou moins 2 de chaque côté. Vous êtes d'accord avec moi? C'est logique. Et bah, du coup, il y en a qui tirent. Enfin, avant, il n'y avait pas les blocs là-haut, mais il y en a qui, un qui peut tirer là-haut. Et du coup, l'autre qui fait pas trop attention, il dit ah, et merde, je suis mort, suicide. Voilà. Je pense que j'ai fait un tour assez complet du jeu. Je vous rappelle que vous pouvez les soutenir sur Ulule. Ils sont sûrement très très contents parce que justement c'est les jeunes développeurs. C'est un très jeune studio et qui a besoin de. Enfin, qu'ils ont lâché leur boulot, ou ils veulent lâcher leur boulot en tout cas pour se consacrer entièrement à ce jeu. Ils veulent en faire du multi, donc avec un serveur qui serait hébergé à leurs frais. Ce serait vraiment cool qu'ils puissent faire le jeu dans de bonnes conditions. En plus, ils demandent que 3 000 €, il me semble. Donc c'est pas... Comparé à beaucoup d'autres jeux, c'est vraiment pas beaucoup. Ils demandent juste ça pour survivre quelques temps, le temps d'avoir une démo correcte et pouvoir commencer à la vendre sur Steam, je sais pas. Je vous rappelle aussi que la démo est gratuite, vous pouvez aller la tester. Testez-la avec des amis, c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est peut-être mieux à la manette qu'au clavier. Voilà, j'espère que vous avez quelques manettes aussi. Et voilà, amusez-vous bien avec ce jeu. La démo gratuite, le jeu final sera payant. Si vous voulez le jeu, avoir accès au jeu final dès maintenant, je crois que c'est 5 € le truc minimum. Possible sur Ulule.
alors que sur Kickstarter c'est $1. Enfin bon. Je pense avoir tout dit cette fois. Ben à la prochaine, hein, et normalement ça devrait être beaucoup plus, mes vidéos devraient être beaucoup plus régulières que ce qu'il y a eu récemment. Et je m'en excuse encore. Salut.